we're really seeing the supply issue coming up this time of year. Depuis des mois précédant la première journée de la vérité et de la réconciliation, il est difficile pour des détaillants autochtones d'approvisionner leurs magasins en chandail orange. Brianna Olson-Pitawanekwet affirme avoir commandé sans succès des chandails orange taille enfant à son fournisseur habituel depuis 3 mois. Une situation qui désole particulièrement l'entrepreneur de la Native Art Society, une galerie d'art autochtone qui, une fois les chandails vierges reçus, les imprime. Madame Olson est membre de la Première Nation Wikwamekong de l'île Manitoulin dans le nord de l'Ontario. Well, I think that there isn't a shortage in orange shirts. I think there's a shortage of Indigenous people who can get access to them. And again, you know, it really comes down to like, you know, mass production and capitalism. You know, we're seeing companies like Hudson's Bay Company, Walmart selling orange shirts. And the reality is that they've now sourced hundreds of thousands of orange shirts probably from suppliers, making it so that small businesses, small Indigenous businesses and entrepreneurs can't even access them. Des grandes entreprises comme Walmart et La Baie s'approvisionnent la matière première plus vite que les entrepreneurs autochtones, affirme la détaillante, ce qui explique leur rareté. Par courriel, les compagnies Walmart et La Baie disent collaborer avec Orange Shirt Society, un organisme à but non lucratif basé en Colombie-Britannique, pour verser les profits de vente des chandails orange aux communautés autochtones. Alice Napache, copropriétaire de Napache Art à Thunder Bay, voit ça positivement. If the profits or proceeds of those sales are being donated towards Indigenous causes, then I don't personally see a problem with it. Madame Napache est membre de la communauté Cree de Chisasibi au Québec. Sa compagnie s'est lancée dans la vente de chandails orange l'an dernier. Face à la demande, cette année, elle n'en a plus à vendre. De son côté, Brianna Olson-Pitawanekwet exhorte les parents à sensibiliser leurs enfants sur l'importance de la journée du chandail orange plutôt que de mettre l'accent sur le port du chandail si le bénéfice de sa vente ne profite pas aux communautés autochtones. Ici Francesca Mérantier, Radio-Canada, Oshawa.